le circuit de Spa-Francorchamps. Donc vidéo qui va être assez courte mais assez intense. Donc on est invité pour accompagner un pilote de Formule 1 sur la grille de départ au Grand Prix de Formule 1 de Belgique à Spa. Donc comme j'ai dit, on est sur la route, dans 20 minutes on y est. On est attendu sur un petit parking et de là on sera envoyé en bus au circuit. C'est la deuxième fois que je le fais, mais à l'époque où je l'avais fait, je n'avais pas encore YouTube. Donc ben, c'est cool d'avoir l'occasion de le refaire une fois. C'est quelque chose qui se représente pas, j'allais dire pas deux fois dans sa vie, mais pas trois fois du coup. Et non, franchement, j'ai hâte d'être là-bas. Je vais vous faire des plans de tout ça et on va vivre une super journée. Voilà les amis, on est descendu du car, on est sur la piste de maîtrise à l'intérieur, au cœur même du circuit de Spa. Donc on va bientôt arriver dans les stands et tout. On attend, là il y a tous les convois et tout ce genre de voitures qui arrivent. Donc on est sorti du bus, on va arriver, c'est parti. Voilà les amis, on est dans le paddock, on a déjà fait un petit tour. Maintenant, on va se retrouver au point de rendez-vous et on va aller faire le briefing, se mettre en combi et tout. Donc, non, on n'aura pas de combi, mais se mettre en habit F1. Donc ça va être cool si on passe juste à côté des voitures qui vont servir à la parade pour les pilotes de F1. Très belle voiture. Très belle. Et voilà, bah ici on a l'auto de Lando Norris, enfin l'auto dans laquelle Lando Norris va aller. Donc de très belles autos. Et ben, comme j'ai dit, on va tout doucement aller au point de rendez-vous et voir un peu comment ça se passe. Changement de programme, on n'a pas de pilote attribué, mais on va quand même sur la grille.
parti. Quel département. Alors au départ Hamilton se fait shooter et abandonne. Enfin il se fait shooter par Alonso. Valtteri Bottas se fait jeter dehors par Nicolas Latifi. Leclerc rentre stand parce que c'est Sticker. Pour le moment c'est Sainz en tête et Perez 2 avec Russell 3. Donc voilà les amis, on a un peu changé d'endroit, donc on s'est mis un peu plus en arrière de... On s'est mis un peu en arrière de la ligne d'arrivée. Donc là on est entre la chicane et la ligne de départ. Et bon, franchement on est bien mis. C'est sympa par ici, on voit les voitures arriver. Derrière Verstappen qui arrive. Et c'est pas croyable le nombre de fans ici de Verstappen, c'est génial. En même temps on est en Belgique. J'imagine pas comment ça va être en Hollande, regardez ça. Sykes, Perez, 2.3 seconds further back behind Sykes. Podium vient de se finir comme vous l'avez vu. Franchement super course, j'ai bien aimé. Là où on était mis, on voyait super bien. Donc on avait un gros plan sur le frein, c'était sympa. Le podium est en train de démonter. Max Verstappen pour la gagne, ben tout ce qu'il y a de mieux. Dommage pour Leclerc qui soit pas sur le podium, ça l'éloigne encore plus du championnat. Mais c'est pas grave, l'année prochaine, désolé les tifosi. Donc voilà, ben là on va se mettre tout doucement sur le chemin du retour. En tout cas, super super journée, ça a été génial, j'ai adoré. Et ben, je vais vous faire la petite vidéo de outro sur la route parce que là c'est un peu chaud avec tout le monde, donc voilà. Bon ben maintenant on se tape quoi, 10 km de marche. Là il y a un peu de kilomètres à pied maintenant hein, parce que bon le bus qui devait nous ramener il partait avant le podium. Et nous on voulait rester pour le podium. Comme j'ai une quête de bus qui voulait regarder le podium, j'ai dit ok. Alors tu on doit se taper tous les kilomètres qu'on a fait en bus à pied. Alors
Alors, t'en as qui prennent leurs souvenirs comme des panneaux Rolex. C'est, ouais, ça peut... Regardez celui là-bas, là. Ça peut être une forme de souvenir. Bon, bah, changement de programme, on a réussi à retrouver le bus. Je ne sais pas pourquoi. On a retrouvé, mais tu rigoles quoi? On a flashé pour y aller quoi. On a flashé, mais... Bon, on a retrouvé le bus, donc on rentre sain et sauf à crampons. Donc voilà, merci à personne d'avoir répondu à ma story. C'était très sympa, merci personne. Et bah voilà, tout est bien qui finit bien. On va rentrer à crampons et tranquille. J'ai chaud. T'as chaud? Bah tu m'étonnes. J'ai peur de chaud.